Quand quelqu'un sorcier, il est dangereux. Il est très dangereux. Ça ne dépend pas de lui. C'est ce qui est en lui, là, qui le rend méchant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, qui nous amène à pardonner, qui nous amène à aimer même nos ennemis. Chez eux, ils sont possédés d'un démon. Or, ce démon-là les amène à détruire. C'est ça que tu m'as dit, c'est pas moi, mais il m'a dit de donner. Donc, j'ai donné. Oui, oui. C'est pour cela que j'ai beaucoup de compassion. Je devrais beaucoup de compassion, puis je les délivre. On peut délivrer, on peut délivrer de la sorcellerie. Parce que c'est une possession. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui à plus de 700 000 sorciers délivrés de nos mains. Parce que Jésus est Seigneur. Vous venez de désarmer le royaume de la sorcellerie et de les mettre au service de Dieu. Il y a beaucoup qui sont au service de Dieu. Amen. Dans mon centre de prière, beaucoup. Nous ne maltraitons pas les sorciers chez nous. Nous les délivrons, nous les mettons au service de Dieu. Aujourd'hui, découle la puissance de Dieu. Donc, un sorcier dans une famille est un danger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dit mais. Dans la grande famille, c'est déjà dangereux. Et puis, ne pensez pas que quand on n'est pas même parent, qui ne peut pas vous avoir, même un collègue dans ton service, les sorciers, c'est un danger. La sorcellerie est une science. Elle aussi est évolutive. Amen. Amen. De toute façon, tu as assis dans la voiture, tu es à GPS. Tu vas où? Ici, là-bas, mon soukourou. Votre GPS, ça ne marche pas chez nous. Non, ça ne peut pas marcher chez nous. Amen. Amen. Tout est volé ici. Le portable téléphone, on fait tout avec ça. On a Skype. Quelqu'un à Paris, tu le vois à où parler. C'est comme ça les sorciers étudient. La science, c'est une science occulte, elle aussi évolutive. Amen. S'il veut t'avoir, c'est fini. Il rentre en contact avec les membres de ta famille ou là où tu es né. Il a toutes les informations, je t'attaque. C'est pour ça qu'il méfiez-vous avec les gens que vous marchez. Si tu ne le maîtrises pas, ne partage pas ton secret. C'est pour ça que les blancs ont combattu la sorcellerie. Vous voyez, ils sont dans la. Aujourd'hui, les villes seules, les blancs. Ah, nous, on veut toujours demander. Tu as marié quoi? Parce que tu regardais ton mari qui maltraite. Hein. Et puis tu vas pleurer. C'est vrai, tu as raison. Et tu as tout dit. Et là, il gâte. Elle met piment dedans, il gâte. Tu es dans une meuble, un noir. Il va t'emmerder, tu fais camaraderie. Ah, oh, monsieur, bonjour. Tu le regardes pas. Monsieur, bonjour. Bonjour, quand? Mais toi, tu m'as dit, mais c'est quoi? C'est quoi? Bonjour, c'est trop. Justement, pour lier amitié et pour chercher à savoir qui tu es. Et puis, t'es gâté. Tu as aimé, tu veux témoigner, bonjour, les proches, là, il te regarde. Il ferme. Il n'a pas ton temps. Il aura ton temps où deux affaires vont oublier. Vous partez causer avec tout le monde. Vous parlez de vos business aux gens. Le monsieur est là, il te regarde. Ah, tu ne sais pas que c'est qui en lui. Toi, il te regarde. Ok. Le jour où ils ont bien parlé de David, Saül s'est levé pour le tuer. On dit, ah bon, ça lui, vous donnez 10 000 et à moi 1 000. Or, la jalousie, c'est à partir de la jalousie qui vient la sorcier de ma vie déjà. Et j'ai l'habitude de dire, il y a deux formes de jalousie. Ce n'est pas monsieur et madame en train de chercher le voisin. Ou même monsieur cherche la voisine. Non. Amen. Amen. C'est la jalousie haineuse. Ta caméra est la montre en or, ça t'énerve. Quand tu commences à parler des bonnes choses, ça l'énerve. Ça, c'est les grands signes. Amen. Amen. On n'est pas content quand quelqu'un bénit. Et quand c'est la jalousie haineuse. Pourquoi lui, pas moi? Il ne peut pas être moi. Je ne peux pas être toi. Attends ton tour. Si je suis béni aujourd'hui, Dieu te bénira. Amen. À chacun son tour. Amen. Reste plaisir, ça va? Quand je te vois, ça me fait mal parce que nous, on est encore très petits quand tu regardes la télé. N'est-ce pas? Bien.
C'est la sorcellerie qui l'a détruit.